Je rappelle tout simplement, pour ceux qui s'intéressent au Congo, aux pays qui souffrent, aux pays qui sont en guerre, qui s'intéressent à la solidarité, qu'au niveau de la ville, on essaye d'accompagner un certain nombre d'associations pour développer des projets. Des projets d'abord de sensibilisation ici, sur. Si j'ai voulu faire ce film, c'est pour montrer le courage et la force, l'intelligence et le talent des gens là-bas, parce qu'ils vivent dans des conditions apocalyptiques, ils n'ont rien et ils ont envie. Ils sont en demande, ils ont envie, et chaque chose est difficile. Il y a les plus grandes forêts, il y a le soleil, il y a les plus grands fleuves, les richesses minières sont hallucinantes, et les gens n'ont rien. Et donc c'est un problème de gestion ou de gouvernance. Le film que j'ai fait est devenu une fiction. Et je voulais montrer comment les gens ont du courage et comment les gens sont beaux et dans des conditions très difficiles. Donc le film que vous allez voir a tout un documentaire, mais c'est une fiction, sauf peut-être la première séquence du début, dont on pourra parler plus tard, qui est une séquence qui est un petit peu dure, qui est une séquence de délivrance et d'exorcisme. Pourquoi ? Parce que les familles payent pour délivrer, exorciser, délivrer l'enfant. Les familles payent et puis ça lui donne encore plus de pouvoir d'avoir ce pouvoir. Là, en fait, Bebson de la rue, c'est un des personnages de mon film Kinshasa Kit. Et c'est un génie, c'est un mec qui est un peu dans la lune comme ça, il a énormément de talent. Et j'étais très content de travailler avec lui et il n'avait jamais fait de disque. Donc je lui ai dit, on va faire un échange, enfin, je ne viens pas que filmer. Voilà, j'aimerais bien que tu puisses faire un disque, donc je vais te trouver un producteur. J'ai cherché pendant un an, je n'ai pas trouvé de producteur, donc finalement j'ai produit le disque, je suis parti à Kinshasa, je l'ai enregistré, et voilà, le disque vient de sortir, il est tout chaud, Bebson de la rue, groupe électrogène. Et la BO du film par contre sort dans une semaine, on le vend, la FNAC vient de prendre quelques exemplaires, et puis j'espère que le film, je vais trouver un distributeur, que le disque va faire sa vie, quoi, parce que le musicien vaut le coup et c'est une façon de les aider là-bas, parce que comme vous allez voir ou comme vous avez déjà vu, c'est un peu galère. Des centaines d'enfants, je les ai interviewés, j'ai parlé, et les enfants, on les accuse pour rien. Hein. Samy qui est dans le film, il m'a dit, ben voilà, cette dame, on m'a dit que c'était ma mère, j'ai dû l'appeler maman, elle m'a demandé d'aller chercher un verre, le verre était cassé, il m'a dit tu es un sorcier, ils m'ont battu, je me suis échappé, je suis revenu, il avait 6-8 ans l'enfant. Après, ils m'ont attaché et je passerai les détails sur ce qu'on lui a fait. Il y a 3 ans, et en fait, tout était prévu, tout était même les billets achetés, ils n'obtenaient pas les visas. Et moi, je lui ai dit, puisque tes musiciens ne peuvent pas venir se montrer ici, je vais aller les filmer là-bas. Ça, c'est l'origine du projet. Et je suis arrivé à Kinshasa, et quand j'ai découvert cette ville hallucinante, avec telle force, une telle énergie, une telle vibration, et aussi pollution, embouteillage, etc., les coupures d'eau, d'électricité, enfin un truc chaotique, et surtout 30 000 enfants dans les rues. Je me suis dit, oula, mon projet de documentaire va changer. Et donc je suis retourné souvent, j'ai été 5-6 fois me plonger dans la cité, rencontrer les enfants, les gens, etc. Et c'est à partir de toutes leurs histoires que j'ai construit mon film. Et c'est plus de documentaire, mon film est devenu une fiction. Voilà. Kinshasa Kit. C'est la joie qu'on aime chaque jour. On passe jusqu'à chaleur. Oh, oui, il faut faire des guillotines. Mais ton concert, tout le monde va le prendre, tout comme a fait Batou. Hey, merci. Ouais. Yeah. Alors, dis-tu t'as pas ce savoir là. Chef, la zone répétée. Yari. Carré. Oh là là. C'est chaud. Petit nanga nouvelle génération groupe électrogène. Ce que vous avez mis en tête, 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 rythme, rythme, désigne. Vous êtes capable de vivre
mon protégé musique. Ah merde. Bon. Papa bon, avant de combattre la vie. Mouvement la vie au combo d'en haut. Bien blague. I'm going to go to the hospital.